Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Cette femme qui nous vole la vedette, c'est inadmissible, c'est intolérable. Chut. Mesdames et messieurs, les comédiens, n'oubliez pas vos convocations de maquillage pour la prochaine représentation, merci. Chérissez ce bouquet, madame. Ce soir est la dernière fois où vous me volez les vivats qui me reviennent. Plus aucun rôle désormais. Le prochain triomphe sera masculin. Monsieur Perrin et les comédiens en scène pour la répétition de Hamlet, s'il vous plaît. Être ou ne pas être, voilà le problème. Sans cela, mourir, sans l'espérance dormir, des joies futures, qui voudrait supporter les dédains et les flatteries de ce mépris du riche pour le pauvre, la malédiction du pauvre au riche, l'oppression de la veuve, l'injustice envers l'orphelin. Orange au désespoir, hein, Mesdames et messieurs les comédiens, en scène pour la première de Hamlet. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Laissez-moi faire. Quand même. Appelez-moi le metteur en scène. Mais où est-il ? Où est-il ? Chut, monsieur, il est dans la salle. Si cette chair trop endolorie et trop souillée pouvait se fondre en néant, si l'universel globe du ciel pouvait se changer en chaos...